Quel doux parfum! On se sent tout de suite plus détendu. Je vous aurais bien offert des biscuits si j'en avais. Hélas, je ne me suis pas encore défaite de mon habitude de voyager léger. Il reste de l'eau chaude si tu veux te resservir du thé. Alors n'hésite pas. Sur ce, nous t'écoutons. Raconte-nous calmement tout ce qu'il y a à savoir à ton sujet. Reprends ton histoire depuis le début, tu veux? Ridicule. C'est tout bonnement ridicule. Il faut admettre qu'il y a dans ce récit beaucoup de passages à peine croyables. Vena, qu'est-ce que tu en penses? Difficile de juger de la véracité de cette histoire, sachant qu'elle ne nous dit ni quand ni pourquoi l'apocalypse initiale a eu lieu. Je suis donc partie du principe que tout était vrai, et je me suis davantage penchée sur les motivations qui auraient pu me pousser à agir de la sorte. Très sincèrement, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi je me serais opposée à la volonté du Concile et du peuple. Pourquoi j'aurais créé Aidelin, du moins à l'heure actuelle. Tout est affaire de circonstances, j'imagine. Mais ça n'a pas dû être une décision facile à prendre dans tous les cas. À mon avis, il y avait forcément autre chose. Un facteur décisif, compte tenu duquel je n'avais plus d'autre choix. Par ailleurs, lorsque je t'ai dit que l'Elpis te servirait de guide, je me demande bien ce que j'avais en tête. Peut-être la fleur elle-même, ou la quête qu'elle te pousserait à entreprendre. Quoique ta présence en ces lieux suggérerait plutôt un rapport avec ce centre de recherche. Il y a forcément un lien entre tout cela, mais lequel ?
Quelle réponse suis-je censé t'apporter? J'ai ma petite idée sur la question, si ça peut t'intéresser. Dans le futur d'où elle vient, son présent, l'humanité n'a pas su empêcher l'apocalypse et n'a pas d'autre choix que de fuir la planète. Peut-être voulais-tu simplement nous alerter de ce scénario catastrophe, afin que nous nous efforcions d'écrire un avenir différent? Ce serait plutôt logique à première vue. Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais pris la peine de conduire notre amie jusqu'à Ilpis. Elle aurait eu plus vite fait de toquer à ma porte, ou à celle du Concile, à Amuroth. Tu marques un point. D'ailleurs, cette Aydeline l'a envoyée dans le passé sans lui indiquer de destination précise dans le temps. Ça lui était sans doute égal que son émissaire fasse notre rencontre. Ou alors, elle savait d'une manière ou d'une autre que nos chemins finiraient par se croiser, même si pour nous, cela ressemble à une coïncidence. J'ai comme l'impression qu'il manque des pièces au puzzle, et pas des moindres. Dans ce cas, essayons de nous concentrer sur ce dont nous sommes sûrs et certains. Imaginons que je me retrouve face à l'apocalypse telle que tu me l'as décrite, c'est-à-dire un fléau qui menace de réduire à néant ce que j'ai de plus cher. Admettons que j'ai le temps de la voir venir. Est-ce que la première solution que j'envisagerais serait la fuite? Non. Bien sûr que non. Avant d'en arriver là, je chercherai à la déjouer par tous les moyens. Étant donné que le Concile lui-même s'y est cassé les dents, peut-être t'es-tu dit que c'était une cause perdue? Aucune cause n'est jamais perdue à mes yeux. Et si je faisais partie d'Aydeline, alors vous pouvez être certain qu'elle portait également cette conviction en elle. Non, mais c'est qu'elle y croit, à cette version fantasmée d'elle-même, à ses affabulations. Désolé, mais je refuse de gober ces fadaises. Un peu de sérieux, bon sang. Vous pensez vraiment qu'une civilisation harmonieuse et prospère comme la nôtre va péricliter du jour au lendemain à cause de je ne sais quelle catastrophe ? D'autre part, je ne me reconnais absolument pas dans le portrait de moi qui est brossé. Mais alors, pas du tout. Si ça avait vraiment été moi, j'aurais été fier de voir mes camarades offrir leur vie à ce Zordiark, puisque c'était visiblement dans l'intérêt de la planète. Au lieu de cela, je les aurais recréés, ainsi que notre belle Amuroth. Allons, je ne me serais jamais permis une telle insulte à leur mémoire. Même par nostalgie. Et surtout, il aurait fallu que je sois idiot pour t'inviter dans mon repère, comme si j'allais saboter mon propre plan. Certes, si un jour notre monde devait tomber en décadence et qu'il m'incombait de le restaurer, je ne le ferais sans doute pas de gaieté de cœur. Disons même que ça m'ennuierait franchement. Mais jamais, au grand jamais, je ne renoncerai à mon devoir pour autant. Alors cesse de te ficher de moi. Assez de ces balivernes. Je retourne travailler. Ne t'avise plus de me faire perdre mon temps. Et Metzelk, attends! Je voudrais te poser une question. As-tu fait des découvertes intéressantes depuis ton arrivée à Ilpis?
Le dynamis, c'est cette forme d'énergie alternative à l'éther, c'est ça? Je ne suis pas spécialiste, mais j'en connais les grands principes. Donc, Hermès se serait longuement penché sur le sujet pour créer Météion. Voilà une piste qui mérite d'être creusée, en effet. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les pièces manquantes du puzzle sont quelque part dans ce complexe. À toi de les réunir et de reconstituer la fresque imaginée par ma version future. Seulement alors, trouveras-tu les réponses que tu cherches. Bien sûr, tu peux compter sur mon aide. Ne t'en fais pas pour lui. S'il est bien comme Azem me l'a décrit, il ne restera pas indéfiniment le dos tourné. Oh.